DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oye ye. Merci, bonjour. Vous êtes sur Tango Koki, vous nous suivez de partout. Je suis très heureux de me retrouver encore devant vous. C'est encore une très belle opportunité cet après-midi. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, excusez-moi. Nous sommes le 23 août 2024. Il est 13h passé ici à Kinshasa. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis M. Mara Bobola, je suis le capitaine de l'armée numérique, comme M. Stéphane, notre patron, aime toujours qu'on l'appelle le général de l'armée numérique. Jésus Encolé, je ne sais pas si Jésus est qui, vous êtes lieutenant, je ne sais pas, Jésus Encolé, ce gars est lieutenant, il y a armée numérique, mais ngai, naningababé ngai, le capitaine de l'armée numérique, je suis Mara Bobola. Je suis congolais de père et de mère. Ma voix est tellement cassée parce que nous parlons beaucoup. Je m'excuse vraiment. Aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de changer, pas comme tous les jours, parce que le lot n'a pas été vraiment assez. N'a pas été prêté, n'a tiré attention à Bino pour nous partager ma lame. Alors, Mara Bobola, ressortissant des territoires de Boudjala, dans les secteurs d'Indolo Liboko, dans les villages d'Elikao, dans la localité de Bongoko. Nous sommes de même village avec, je ne cite pas les noms, parce que nous sommes en politique. Alors, nous allons essayer un peu de parler avec vous concernant l'actualité politique qui évolue ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le pays cher de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays cher de Franck, le pays cher de Maître Joël Kitenge, parce que nous parlons de Maître Joël Kitenge, ça s'annonce très 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 mal pour le dossier de Maître Joël Kitenge. Le premier dossier au Tuzako Solonabino est un dossier à Maître Joël Kitenge. Dossier à Maître Joël Kitenge, ça commence à donner une mauvaise image. Le deuxième dossier Tuzako Solonabino est Ali Makambo, il y a carburant dans la ville de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. La colonisation apparemment est silatée. Colonisation tilelo et continuera on va bien en haut néocolonialisme. La France et la Belgique, à travers ma société où ba exploite ka pétrole lambo ka biso ya carburant, bazali se ko matisa biloko wala ba bengi ya carburant. C'est ce qui fait que na République démocratique du Congo, le transport et surtout ici dans la ville province de Kinshasa, transport est un problème. Le carburant même sur okeyi na ba mboka o ezali ya ba province. Ngai nazaki na Sidou Bang. Carburant est allé très cher. Carburant est où tu as en Centrafrique. Et Côte Zongo, après Eye, et Komi Gemena, ne batte ki yango. Carburant moussa où tu as Kinshasa, et Zako où tu as Mbandaka, et Komi na Kula, na port mort où est allé, wana, je crois qu'il y a 100 et quelques kilomètres dans la ville de Gemena, ne batte ki yango. Na Tchikapa, n'en parlons pas. Na Mbujumai, Tokei na Kananga. Tokatisi na Okatanga, na Lubumbashi, Kolwezi, Tokei Goma, Maniema. Problème ya carburant, c'est un problème très sérieux. Donc, ti carburant, eza komata, na République démocratique du Congo, la France et la Belgique, baza, parmi ma responsable, ou baza kousala ke carburant et mata. Mais elokoni neza kousala ke carburant et mata. Naïbi Sakibino, que nous allons un peu échanger autour du dossier de Maître Joël Kitenge. Oye, voyez bien, et ça dossier, oye, commissaire. Mais yambo na kota na dossier à Maître Joël Kitenge. Na zongina na makambo itali, carburant. Peuple congolais, la République démocratique du Congo, c'est un pays que Dieu a béni. Dans la lithosphère, oye, babengi yango, espace na niveau ya mer o ezali ko permettre à ce que la République démocratique du Congo
na niveau ya enseignant to ke ne bongo kozwa une grande partie ya makambo mabengi carburant soko ke ina mwanda carburant za ka problème te jezi ankole na mwanda carburant bate ka ngolo ko la pétrole carburant na mwanda eza loko la diamant à l'époque ndenge za lagi na mbujumai carburant na mwanda eza loko la cassiterite carburant na mwanda eza loko la cobalt na niveau ya okatanga carburant na mwanda eza loko la cuivre na niveau ya okatanga et puis cobalt na niveau ya lualaba ça veut dire que carburant et koki kozala nango elo kote o ekoki ko déranger ba congolais mais pourquoi les carburants ezali ko mata na ville province ya Kinshasa et puis na République démocratique du Congo bolanda na ina ba révélation oyoyo la France et la Belgique bazali parmi ba responsables o bazako sala ke carburant na mboka na biso sa nini e mata Kabila à l'époque tant ozala ki président de la République par la mauvaise gestion par la mégestion y a ba entreprise o ezala ki à l'état et tinaki Kabila selon ye a ke ne ko sous-traiter ba compagnie o ezala ki à l'état et parmi ba compagnie oyo Kabila me ko sous-traiter yango azwa ki gestion apesa ki yango na ba paya apesi soit ba libanais apesi soit ba français apesi soit ba belge apesi soit ba to ba ressortissant ou alors ba étranger o bazala ki na mboka na biso et parmi les compagnies na domaine Italie hydrocarbure ou na domaine Italie carburant ça veut dire que ya zwa ki makambo Italie société ya SEP apesa ki yango et pas na ba belge ce sont les belges oyo bakenaki pour na koluka moyen ba gérer société wana en dehors ya SEP tozali na compagnie ba bengi yango Perenco Perenco ezali aussi parmi les compagnies qui sont dans le domaine il y a extraction il y a distribution et puis il y a extraction oui distribution et puis na commercialisation ou la vente il y a makambo Itali carburant na République démocratique du Congo mais qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui un litre de pétrole ou alors un litre de carburant ou à l'époque ezala ki na 1500 je dis encore ici je me trompe pas 1300, 1500, 1800, to komi na 2000 francs, c'est comme ça. Ba litrage ya carburant et bandai koumata. 1500, 1700, 1800, 2000 francs, 2100, 2200, lelo oyoyo, litre ya carburant, ezali ko navigue na bambongo o ezali au-delà ya 2500. Et puis carburant et mataka baba tsaka ba 100 francs hein Jésus en colé baba tsaka ba 100 francs ba 150 francs ba 100 à l'époque pezaki ba 120 francs mais aujourd'hui au moment où nous vous parlons carburant et mati et c'est ce qui a causé que nos transports na ville à Kinshasa ezala ya kumata muto alongwe ropongaba azako kende excusez-moi na quartier aza ko futa 2000 fois voire même 3000 francs. Motaza ko longwa victoire pour kenda quartier 1. Il paye dans de 2000 francs ou à 1500. Seulement les Transco, la compagnie ezali à ya mboka na biso, ya transport. Donc société de transport au Congo, Transco donc la société de transport donc Transco, bangonde baza ko futa 500 francs parce que bango exonération ya carburant parce que ba pesa bango. Donc la Belgique aujourd'hui en lieu et place, y a qu'au plaider ou y a qu'au sala de façon que carburant est à la chair terre pour que le peuple congolais, bah luka n'engeni ni bakoye ko futa transport dans bango na ba prix moko ezali abordable. La Belgique a luki moyen y a qu'au matisa carburant. Les carburants au bazo zongo na niveau ya mboka na biso. Awa na mwanda awa. Des places bango baza ko zwa carburant. Eza musikata. Na mwanda awa carburant pour le grand mwanda et les ka banzela ndenge les ka ba futa ba taxe ba makamu nyonso les opérateurs économiques excusez-moi j'avais demandé beaucoup de skizes parce que voilà ngeza tellement cassé ba senga ki ba exonération ba luka ndenge ni gouvernement congolais
basa la coopération pour na koluka bakita prix à carburant et les autres za koloba carburant eza sekomata. La Belgique en est aussi responsable et le gouvernement congolais en est aussi responsable. Pourquoi la Belgique a mati carburant, les opérateurs économiques tant ba sombi carburant baza kuya na ngopo bateka ba taxi wana ba futa à l'état. Ba taxe ba futa à l'état ti akoma na carburant awawa eza ko sala eke moyen ateka carburant na prix oyo l'état ninga za ko senga ezate. C'est ce qui fait que carburant est menti. Donc le gouvernement congolais a zan obligation ministre oyo azali ya hydrocarbi sala effort ya ko kutala na ba opérateur économique na domaine ya carburant na domaine ya hydrocarbi ba luka ndenge nini boko iko trouver un commun accord pour la coquille Samaramo Italie carburant. Perenco, aux alliés à français, Belgique a zagonyo que la peuple congolais, Belgique a diminué tes carburants et mata, bah Kinoa va déplacer la difficulté, bah Kinoa va foutre un transport cher et Italie bah ngote. À l'époque boulevard tu vas n'ago foutre un isaki 1000 francs. Aujourd'hui boulevard na Victoire au commis boulevard c'était à 1000 francs. Aujourd'hui, boulevard est commis dans 1500 francs, même 2000 francs. Que l'on a Victoire, pas comme aéroport, plus ou moins 25 à 27 kilomètres, si je ne me trompe pas, c'est à 4000 francs. Mais à l'époque, tout le monde a eu le foot en haut, ils ont acquis dans 2000 francs, ils ont acquis dans 1500. À l'époque, 1500 ont commis aéroport. Mais le lot, parce que le carburant est mati, c'est ce qui fait que moyen, le prix de transport est équitable, ils ont été. Donc, de côté, on a mis sur la poto, il y a comme Kinshasa. Victoire, tant qu'on a eu le boulevard, ils ont acquis 1000 francs. Le lot Victoire est comme 1500, 2000 francs. Tout ça parce que les carburants, ils ont comme ça. Et la Belgique, où ils ont collaboré dans Kabila, pour l'Andali Kamboya, somme. La Belgique, avec ma partenaire au Kabila, Tiana Katia Sep, Batouana, Bakenda Kundimae, qui a collaboré na Belgique. Pour la nini ba luka ndenge nini ba koko gérer compagnie wana mais le lo oyo carburant za kumata parce que bazuba instruction et pas na Kabila yebisi bango esengeli bo matsa carburant. Tout ça c'est une façon ya koluka ya kokweisa ou ya kotelemela gestion ya mboka pa na mona mboka tseke di tulumbo yango moni tango tozo koloba eke Kabila zali ko combattre bani ko combattre tseke di leloté. Les gens ne comprenaient pas tala makambo Kabila sali. Le col a zoa batunaye a tia bango na sep. A zoa pe batunaye moussous a tia bango na niveau ya Perenco. Baza ba ingénieur, baza li ba commerçant, ba somba ka pétrole. Tango bango ba sombi carburant, ba zu yango ba tekili ba opérateur économique. Ya un monsieur, na zo bo sa na kombo na ye, si je me trompe pas, c'est aussi ba lobi aza sije Rwande. Oye aza na kati ya sep. Un Rwande tout fait. Oye aza na kati ya sep, yende Kabila tia ikuna. Yene moutou azali parmi ba grand importateur oyo bazali ya nini ya carburant. Yetan wazu carburant ba congolais bazako kende ko somba carburant pa na ye azako mata carburant. C'est ce qui fait que tango ba yena Kinshasa carburant azako mata transport mati bo moni ndeng bazako telemela ti sekedi bo moni ndeng bazako combattre chef de l'état yango nga azako mituna ba politique au Kabila a meta ki en place. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que chef de l'État a meka soit qu'on modifie, soit qu'on copie pour n'a qu'on capé qu'on gère mboka? Parce que l'élo, oyoyo, carburant, il y a comme ça. Partout, j'ai essayé de parler de l'Ikasi, j'ai parlé de Tikapa, j'ai parlé de Gemena chez nous là-bas à Zongo, j'ai parlé de Goma, j'ai parlé de Maniema, j'ai parlé de la province de la Tchopo, en Mbandaka, n'en parle pas. Carburant partout, il y a comme ça. Responsable, Kabila, naba belge, au bazar à niveau ya CEP, bango ba mati carburant. C'est ce qui fait que les lots difficultés côté à carburant transport et ça c'est comment ça n'en perenco mêmement ba français wana ba zoa avion ba kiti na aéroport ba du bazan avion na bango moko ya mke. Moi je vis ça à l'époque quand je travaillais chez Congo Airways. Je vis cet avion ba lala na kisa saté ba uta ka France mbala moko ba ye peuple congolais mboka na biso mboka oyoyo na ebité to sala nini. Mboka o na ebite to sala nini. To sala nini mboka na biso. Les ingénieurs français, les commerçants français, les opérateurs économiques français, ba outa ka France ba eba kiti nanjili, ba lala kakoutoute. Ba boya même kofuta même ba hôtel.
baboya ko kota même mbongo na Kinshasa ba kitara na de l'aéroport ba zui Air France na mango ba kitwana ba okenozo SNT Bruxelles lanité ba yaka na France Air France ba kitwana ba zui avion ba keyuapi ba zui avion na mango ya mukeza la kawana ba koti bazaka na dans de trentaine comme ça ba kei na mwanda a partir mwanda bazana ndaku na bango batongela bango bazana batwa misala balambela ka bango ils vivent comme ça. Tango bazako exploiter pétrole, pétrole wana bazako exploiter carburant wana, tango ba Congolais bazako ya kusomba, bazwa batu na bango ba imposa bango. E Kabila zwa batu na ye atia bango kuna, bango nde bazaba ba grand importateur. Ba bing bango le big importateur. Bango nde bazwa ka en grande quantité. Bango ba teka ka en gros, ba teka en détail te, ba grand importateur. Tango bazwi biloko wana bazui ango basombi carburant bazana ba milliers de barils oyo bazana ngo tango bazui ba baril wana bazako teka yango. C'est ce qui fait que le Congolais baki kosombe pa na bango. Alors tango bazako ya moyen ba teka pe na mbongo au gouvernement za kosomba ezate. Le service de renseignement ba information biso to pesaka et sengeli ba information to pesaka bozo yango buta yango na musala bokende ko proposer pa na chef de l'État. Monsieur le président de la République, voilà, nous avons un sujet comme ça. Service de renseignement ayebi batwana nyoso Kabila tia. Ayebi. Service de renseignement ayebi. Comment on peut avoir des sujets rwandais oyo bazana katia ba entreprise wana bazako exploiter matière première parce que le carburant, il faut noter que c'est parmi les ressources où ils allient non renouvelables. Ça veut dire que ndenge bazako exploiter hydrocarbure wana, ce qui est sili et sili. Yango moni les États-Unis, la Libye à l'époque avec Kadhafi, les Émirats Arabes Unis, bazan ngo ba stock ba milliers de milliers de barils ba gardan parce que les hydrocarbures, le pétrole ezali parmi les ressources oyo ezali non renouvelables. Ce n'est pas comme les diamants, ce n'est pas comme les cassiterites, ce n'est pas comme le cuivre oyo la le lamuki bo exploiter cuivre awa pendant 2 ans 3 ans ici bokina simanda ko beaucoup tiango les ressources. Non, le pétrole, c'est parmi les ressources aux alliés non renouvelables. Mais tu as la ressource aux alliés non renouvelables. Kabila zo bandekunaye atia bangwana. Et ce sont ces gens-là. Oyoyo, bazali kozwa pétrole wana, baza kosana ngondenge balingi. Et tout ça, bazali ko lukako combattre mon amboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que les lots transport ndenge matin à Kinshasa. Baza ko mona Kabila te, baza ko mona Tshisekedi. Oh, c'est lui le problème. Il y a autant que maman Olive à l'obaké que nous sommes en train de produire dans ces pays. Et nous continuerons à produire. Nga na mitunaki. Et là, on ba maman Olive baza ko produit dans beaucoup. Pour vous considérer bango ici et ici là. Tant que vous considérez ici, vous vous considérez là, vous kende, vous vanda. Qui n'a qu'à te zawana, vous vanda wana. Bana classe, ba yaka koutala mkonzi amboka, ou yaka la. Batali a yende Joseph Kabila, ok, voilà, notre ancien président de la République. Voilà sa femme, voilà ses enfants. Ils prennent des photos et ça va rester dans les annales. Que moi, je visitais Kingakati à l'époque. Nous étions partis, et nous avons visité Kingakati. On avait rencontré l'ancien président de la République. Et Mbongo Kouyokota. Mais malheureusement, Kouyokota n'a pas eu Kabila. Mais Tala Bidou Kouyokou Bazako Sala. Maman Olivier Alobi qui Bazako produit. Tala ba production Ngoyango. La Belgique et la France responsables. Il y a augmentation, il y a prix à transport à Kinshasa. Parce que Bino ne vous a pas responsable. Production à pétrole vous a produit. Comment vous pouvez imaginer même un bateau bazana nzela ya mwanda Kinshasa. Bazana incapable même minda na bango epela na pétrole bazana ngote. Est-ce que nous pouvons réfléchir des choses comme ça? Makambo ya boye ça la maka na Congo. Eza lokola ozana nzeta li damen na lupango na yo. Mais ata li damen moko na ndaku na yo ozana ngote. Ozana nzeta manga na ndaku na yo. Me ba boya oliaka manga wana. Ozana nzete ya safu. Me na ndaku na oliaka safu te. Ba boya ba ebiso yo olia safu te. Avant olia safu fo somba. E bazwa mutu moko ba tia wana jera nzete ya safu wana. So ki safu e boti. E teli bon biso chez nous à l'Équateur tout le baga e teli. Na ebi te so na ekolo na bino. Bandego pa na ba luba e pa na ba. Bandego na biso ya kasai na ebite yanko le balobaga nini safu soke teli balobaga nini bon yo koli na matadi makamono yebi yangote
yo koli na matadi makamo ye bien honte yo koli e pa na Kodiambete le maire de la ville ya matadi yo koli e pa na le maire de la ville Kodiambete un combattant aussi de l'IDPS qui fait l'honneur de notre parti politique maire ya ville ya matadi tout petit mode voilà makamo tout ça qu'on vit vraiment dans mboka na biso ils a ko ça la passe tout cinq na service de renseignement baluka moyen ba kota likamoyo ba kende ko longola ba tout kabila tia bango na sep nana perenko o baza ko sala ke pétrole baza ko somba carburant ba congolais ba opérateur économique ba kende ko somba pas na bango non nous voulons que les opérateurs économiques désormais ba kende ko somba carburant auprès ya sep auprès ya perenko ba sombi ba bimi ba yenango et non auprès ya mamboko ya batu mokobo et tango biloko eza ko sala ma sur le terrain transport remati carburant mati et c'est le président Tshisekedi oyoyo azako zala malvi le conseiller ya chef de l'état en matière ya hydrocarbi simo samsana yo papa salamu sala babiloko misala ko sala nde yangoyo apparemment le pays est géré pour le intérêt personnel le président a trop pris chef de l'état zoko kalisu souté mutu n'était pas sous chef de l'état Azape Moutou, Azana droit à repos. Moussa Moussala, lorsque vous êtes CP, conseiller principal, vous êtes conseiller spécial, mais faites bien votre travail. Chef de l'État, Zagosala, ma promesse. Ma promesse, c'est que vous avez un problème. Est-ce que vous avez un problème, il y a chef de l'État, ou bien vous avez un problème, il y a un collaborateur. Toujours le quoi domaine, il y a hydrocarbures, il y a énergie, électricité. Chef de l'État l'obéit que essayer le peuple congolais à vivre dans l'otilique. Mais Moto Azali conseiller à chef de l'État en matière y a énergie, na électricité. C'est là que nous monde à Mokonzi. Et c'est Mokonzi. Voilà, vous avez fait la promesse auprès de la population congolaise. Est-ce que vous me donnez le pouvoir d'aller voir le ministre tutelle y a Babiloko? Ok, yo bengi ministre y a énergie, ministre y a énergie et soit hydroélectrique et électricité. Ou bengi ministre y a énergie. Ou bengi bango baye ministre hydrocarbure ou quand tout le monde magamwa pétrole. Non, monsieur, mais ça ne va pas. Votre domaine. En tout cas, nous voulons que les carburants poussent se rabaisser. Le président nous a donné les instructions claires. Il a voulu assez que les carburants quittent. Peuple congolais, tant que la condition est le Ngobani. Et c'est comme ça, vous allez voir que si chaque conseiller a sali moussa naye ma lame dans le domaine naye, bourgoumon a kebilo ko yokita. Même Babilo Gounion Sotouza Gomona, au Miliki, au Mapa, au Bléban, au Pepsodan, je ne sais pas moi, les denrées alimentaires, au Babilo va produire des premières nécessités. Babilo Kouana, Bato Bazaba, conseiller à chef de l'État dans le domaine Wana, Bassa Moussala Wana Malam, et que vous allez bien, peuple congolais à Rosepila. Le président Tshisekedi a promettre à Rotonga université moderne dans Bandaka, jusqu'aujourd'hui, université Tongamite. Vous pensez que Bissou et Sala Bissou honneur? Non! Dans le débat, tout ça, il y a des débats contradictoires dans le temps de l'Ike. Mais parfois, je vais le dire, parfois, il faut réfléchir mille fois pour que l'on ait sa réponse. Mais Nanya Zali, conseiller à chef de l'État en matière, il y a éducation supérieure et universitaire, enseignement et supérieur et universitaire. Nanya Zali, qui est ce conseiller? A qui nous demande un chef de l'État? Vous avez promis la population de Mbandaka une université. Où en sommes-nous, chef de l'État? Ah non, va voir le ministre des Sci, vous allez faire un programme avec le ministre des Finances et des Budgets pour la reconstruire l'université. Et c'est comme ça, vous allez voir que les promesses du chef de l'État et vous allez la réaliser. Mais le président promettre, Azam Moutouazala Makambo est belé. Surtout Makambo, il y a guerre, il y a Est. Ça lui prend beaucoup de temps. Maître Joël Kitenge, pour cela qui est le Cambounaï, n'est pas le Baki. Maître Joël Kitenge, c'est un combattant de l'IDPS. Les gens qui disent que Maître Joël Kitenge, il n'est pas de l'IDPS, ça c'est un gros mensonge. Un mensonge grossier. Maître Joël Kitenge, c'est parmi les gens qui défendent ce régime. Il est combattant de l'IDPS. Communicateur de l'Union Sacrée et du parti au pouvoir. Tant au maître Joël Azakoussa Moussala Malam, nous tous nous apprécions.
Non, Maître Joël, en tout cas, très intelligent. Ah, Maître Joël, vous êtes impeccable. Ah, j'ai aimé votre sortie médiatique. Ah, vraiment, Maître Joël Kitenge. Lelo yo Maître Joël Kitenge, azana problème sérieux. Problème sérieux, Maître Joël Kitenge, azana ngo, c'est avec l'inspecteur adjoint, Jésus encore si je ne me trompe pas, de la ville provinciale de Kinshasa, de la police, Blaise Kilimbalimba, commandant ya ville province, ya ville ya Kinshasa. Makamole kanagi ya badi progrès, Maître Joël Kitenge, le col à combattant, à Sali Moussala Naye, on n'a pas touché à la teinte ou à l'honneur de l'autorité de la ville. À Sengaki Naye, à retirer ma propos Naye, contre, pour avoir déchiré ou alors touché au drapeau de l'IDPS. Nous avons essayé de condamner Makamu, ou peut-être Maître Alobaki, pour nous reconnaître qu'on menace Blaise Kilimbalimba, parce qu'il est là sous l'ordonnance présidentielle. Il fait l'honneur de la décision ou alors de l'ordonnance présidentielle. Mais avant que Maître Joël va déposer plainte contre lui, parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre Maître Joël. Maître Joël ne s'est saisi que de la situation. Oyo ezalaki conséquence. Il y a passage, il y a force du progrès, il y a eu des pèses. Na côté à GLM. Maman Olive, na bengi maman, parce que azali moi c'est mon cousin Boko Kala. Le quoi tu me sers comme bengi maman Olive, tu bengi maman pour la honneur et pas la maman. Moi aussi j'ai une mère, j'ai une maman. Alors bien que force du progrès aya kande babomaye. La force du progrès qui n'a pas d'armes, la force du progrès qui n'est pas une milice. La force du progrès qui n'est pas une unité. Ou ebate la rassoir de Mokonza Mboka ou bien l'ancien secrétaire général de l'IDPS, mais c'est Tosobi Kakabuya. La force du progrès azata la mindou kite. Alingakia bo ma maman Olive Nengenin. Parce que la plainte qui est déposée contre Maître Joël, est que Asali wabengaka diffamation, et puis Asali babsala la propagation de faux bruits et consorts. Le loyo, Maître Joël Kitenge va déposer plainte contre lui. Au moment où nous vous parlons, Maître Joël Kitenge aza toujours na Braza. Brazzaville et ami Maître Joël Kitenge, le col a exilé politique. Comment on peut comprendre que c'est votre parti politique qui est au pouvoir en Zambie? Makamuso est ça la parti na biso ya IDPS na ebité. IDPS et Keiti Kokoma na ba niveau ya boy. Les combattants de l'IDPS, muselés, tracassés, inquiétés, dérangés, insécurisés. Maître Joël Kitenge se retrouve dans Braza comme exilé politique. Est-ce que ce Maître Joël Kitenge qui était juge pour rendre les arrêts, il y a dossier où Ezalaki opposant immeuble Kamoul na un sujet israélien? Non. Ba combattant, il y a force du progrès, ba kei, ba sali makamu na bango, kozonga na bango, maman Olive a sa déclaration makoye ko bomaye. Il fallait d'abord commencer par là. Le lo toza ko loba boye, ba landi ya tango koki. Ils allaient passer, ils assomment. Ndaku ya mwasi, ya madame, ya Maître Joël Kitenge, saccagé. Ndenge to tourner mission. Nous allons organiser une descente avec Jésus en colle. Toko kende na ndaku ya madame ya Maître Joël Kitenge. Toko kende go visiter, toko meme la bino ba image wana. Saccagé. TV, téléphone, télécommande, babidon. Bambeto, nyoso. Il semblerait que batinda ki ba police ba kende ko sala inspection ba ta la soki Maître Joël a kozalanda ko po ba zoyer ba zuyete. Mais nous avons comme l'impression que nous avons une police
qui ne semble pas, qui ne semble pas être professionnel. Na fingité. Dans le but, nous avons l'impression que nous avons une police qui ne semble pas être professionnelle. Comment vous avoir pour une mission d'aller chercher soit un mandat d'amener. Vous arrivez chez quelqu'un, le concerné n'est pas là, ou la concernée comme la personne n'est pas là. Vous n'avez qu'à vous retourner. Mais pourquoi aller chercher à piller la maison de celui à qui on vous a demandé d'aller faire un mandat d'arrêt, un mandat d'amener? Où est le professionnalisme? Donc, quelque part, Maître Joël a raison. Quelque part, Maître Joël a raison. Traumatiser la femme de Maître Joël Kitenge. Les enfants, n'en parlons pas. Et j'en prendrai même que l'une de ses filles, Asala qui crise na boutou ya lelo. Asali crise et ma même y en hôpital. Bon, moi, je sais pas si moi, j'ai eu à présenter mes excuses, moi, Mara Bobola. Par rapport, il y a dossier à Maître Joël Kitenge. Na sengi ba excuse et pas na Blaise Kilimbali Mbawazali, inspecteur général adjoint, il y a ville pour venir à Kinshasa, commandant à la police. Je présentais les excuses au nom de la paix et de l'unité et de la convivialité entre le peuple congolais, entre la police et les acteurs politiques que nous sommes. Nous avons présenté nos excuses au nom de Maître Joël Kitenge sur ce plateau, afin que vous puissiez pardonner Maître Joël Kitenge. Mais apparemment, nos pardons, nos excuses sont tombés comme une goutte d'eau sur le dos du canard. Et aujourd'hui, vous avez prouvé que les pardons que nous avons demandés, vous n'avez pas écouté cela. Vous êtes un papa. Vous êtes un papa. Maître Joël Kitenge ne peut être qu'un enfant pour vous. Même s'il avait commis des erreurs, même s'il a commis des fautes, même s'il a commis des infractions, et que ces infractions seraient déjà consommées, vous pouvez toujours revenir à la raison de pouvoir pardonner à Maître Joël Kitenge. Voilà aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, commandant Blaise Kilimbalimba, les éléments de la police qui ont été envoyés pour visiter le domicile de Maître Joël Kitenge, ils ont saccagé, ils ont pillé, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. La famille, la femme, les enfants sont traumatisés, ne savaient pas quoi faire. Voilà pourquoi nous venons encore, pour la énième fois, de vous présenter les excuses au nom des Tango Ekoki, au nom des communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation, au nom également des communicateurs de l'UDPS, au nom, voire même, au nom même de Tango Ekoki, nous vous présentons encore des excuses. S'il y a moyen, vous pouvez retirer la plainte. Et que nous allons demander à Maître Joël de pouvoir venir auprès de vous et présenter ses excuses. Je ne vais pas aller dans 3 ou 4 sens. Je vous parle en tant qu'un plaignant qui plaide pour le cas de Maître Joël Kitenge. Est-ce que il faut tout ça la campagne en sensibilisation pour nous relancer campagne? Il y a soutien et pas à Maître Joël Kitenge. Je crois que c'est important. Nous lançons la campagne de sensibilisation. Tout ça la campagne. Osana quelque chose. Ozali na eloko o koki kotinda ata pona Maître Joël T, mais pour sa femme, pour ses enfants, parce que tozo aki coup d'appel ba bengi biso ba lobi que la famille est traumatisée, eza la mona za l'hôpital et sengeto kende ko visiter, et pona ko kende ko visiter ça nous demande quelque chose. Nous sommes africains, nous sommes batou, nous sommes congolais ali akana batou. Tant au problème est comme ça, tout ça aura toujours quelque chose. Ils n'ont pas pour la matinée, mais tout ça aura un peu pour la problème. Et Maître Joël Kitenge a passé un moment très difficile, très délicat. Oyo biso,
Sanganaki, j'ai eu à parler de ça aujourd'hui dans le Parlement debout. Il y a une nouvelle génération, à nouveau, il y a commerce. Et on a fait ça qui même numéro dans le téléphone. Ils ont l'initiative Autosu Yango. Bisso, ma communicateur, tout ça, les associations, collectif, dans ma parlementaire debout. Et nous demandons la mise en place d'une campagne de soutien à Maître Joël Kitenge. Tout bien, Yango, campagne de soutien à Maître Joël Kitenge. CSMK, campagne de soutien à Maître Joël Kitenge. Soit à Maître Kitenge. Et ça, campagne de lancer Yango. Tango Koki, Bozo Yango. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Hollande. Le cola, papa Nabiso Gilles Kassongo, na niveau ya Hollande. Papa Moro Malamu, un combattant aussi de la première ère. Celui qui a vécu avec Étienne Tshisekedi du Wamulumba. Ceux qui ont crié pour la première fois de combat de l'UDPS. Mais aujourd'hui, il est en Hollande, à Sungara Mingi. Tout ce qui est papa, car il y a famille à Maître Joël Kitenge, tout le monde qui a visité. Papa Flori Mboui, au niveau de l'Allemagne, vous êtes parmi ceux qui nous soutiennent aussi. Papa Flori Mboui, tu as là tout ça un problème. Où ils allaient à la famille, à Maître Joël Kitenge. Oyo yo sengel to kenako visite moi sinaye pambate ba côté lié ba botolignonso tv makamnyonso papa Flori Mboui to bien que ozana motema ya kosunga ozana Allemagne to bien que ozako landa biso en tout cas quelque chose ya soutien ya Maître Joël par rapport ya campagne ya soutien to sali ya Maître Joël et kozala quelque chose de bien maman Sophie Kiboba Maître Jisemala olandi biso to bo sanité maire, il y a ville, il y a Matadi. Papa Kodiambete, tu as le dossier et comme il y a Ngoyo. Tu es bien que vous allez faire quelque chose et vous permettre à tous de visiter la famille, il y a Maître Joël Kitenge, Oyoyo Azali, victime notamment, il y a l'atrocité. Et puis, il y a non-professionnalisme, il y a police Nabiso, il y a des gens qui ont été en train de faire la télévision, la union. Et vous permettre à Bissopé de commander à l'hôpital, tout le cas moyen à visiter Mwana Oya Beli, et que vous avez quelque chose à Malam. Nous sommes une famille, c'est le moment. Bon, il y a Maître Joël Kitenge. C'est le moment où il y a Maître Joël Kitenge. T'as là moment à soutenir Maître Joël Kitenge. T'as là que Moutouazan à Braza, mais bah, qui a visité la famille Naye, croyant que vous avez un endroit Maître Joël Kitenge, pendant que l'IDP a un pouvoir, a commis exilé politique. Et ça, les Kamboya passe. Maman Denise Yankero, tu sengi na yope maman. Tu sengi, aide pas la maman Denise Yankero. À l'époque, babanda kobenga, maman Olive Taïla biso li Kamboyo. Yangope tu sengi, maman Denise Yankero, koti kabiso boyete, koti ka Maître Joël boyete. Campagne to lancé, ezali ya CSMK, CSMJK, soki bolingi. Campagne de soutien à Maître Joël Kitenge. CSMJK, Maman Denise Nyakero. Tout ça, vous avez yo. En tout cas, vous avez quelque chose pour que vous puissiez visiter la famille à Maître Joël Kitenge. Pambate, vous avez famille Oyoyo. Vous avez traumatisé. Moi, si vous avez une minute, vous avez traumatisé. Il y a une fille à l'hôpital. Na limite vous se répété. Na avez bato ya bonne foi. Daniel Bumba, le gouverneur de la ville. Na avez nani musuna tanga kombo. Ministre ya finance nabo sanité nani mususu jila lingeti inspecteur Maître Joël Kitenge na problème et biso ba communicateur na ba parlementaire debout ya i des pèses na ya union sacrée to zubongo mokano ya kosalela ye campagne ya soutien. Je pense que lobby to kozala parlement debout na niveau ya commerce oyo e kozana panier moko to kotiawana pona koluka kozwa soutien ya Maître Joël Kitenge. Ça la déclaration et puis quelque chose au ekobima to ko bandeni to ko sala numéro na biso ya téléphone ezali +243 26 76 238 +243 26 76 238. On ezali numéro ya biso ya WhatsApp soko bengi e ko zala malamu mingi moi $10 moi $20 quelque chose nyoso au ekobima même biso pe to ko tia quelque chose pona ko luka to kende to visiter famille Oezali ya Maître Joël Kitenge.
Tu es bien que Maître Joël Kitenga zana batu belé na tango koki. Maître Joël Kitenga tango kongi c'est sa famille. Tu sengi na président Dieudonné Kamuleta, tu sengi na ba ministre, tu sengi na maman Denise Nyankero. Je crois que etinda tuzaki nango yangwana. Merci beaucoup et c'est ngozali ki ya mingi ya ozali bosona bino. Ya ozali bosona bino to pesi bino maton du mingi. Nde to kutani mo mikolo zako ya to pesi mbote na biso e pa na papa na biso Gilles Kasongo na Hollande oyo alandaka biso mingi azali abonné ya tango koki to pesi mbote nga na benga kaye beau-frère na benga kaye le beau-frère le plus honnête le beau-frère le plus sérieux papa Gilles Kasongo na Hollande to bosanite papa Flori Mbui na Allemagne na linga ko benga ye Wambui Wambui na linga ko benga ye Wambui. C'est aussi parmi les gens qui nous soutiennent beaucoup. Et Tokutani, Mikoleza Koya, merci beaucoup. Ciao. DJ Stéphane. Balamwange. Congo ya Lumumba, Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Balamwange. Oh yeah yeah.